Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de l'Ombre de la Guerre. Si possible, évitons d'être éclairés jusqu'à ce que nous ayons l'avantage. Oui monsieur, bien monsieur. Oui monsieur, bien monsieur. Dominez les archers sans vous faire repérer, ça je sais. What? Bonjour. Tu es à moi. Plus que nos armes, ils seront aussi nos yeux. Bonjour. Laisse-moi te toucher. Un poil dégueulasse, n'est-ce pas? Alors là, il y a juste une chose que je regrette, c'est que j'ai l'impression de revoir C'est un bel atout pour notre armée. Une zone et une construction de l'autre niveau et de l'autre jeu pour le coup. D'ailleurs, je trouve aussi que les textures sont pas subtiles. Suffit de se battre. C'est un ourouk, non? Alors, prouve-le. Allez, on recommence encore une fois. Ils ne peuvent pas résister. Voilà, et 2-6. J'aime avoir des amis comme eux. Notre armée absorbe celle du Seigneur des Ténèbres. Oui, et on s'en sort plutôt bien, faut le reconnaître. Pour quel camp tu es? Parce que si tu te plantes sur le champ de bataille, tu donneras l'avantage aux hommes du Nord. Reprends-toi. Qu'est-ce que j'ai fait avec ma dague? Vous allez le regretter. Qu'est-ce que j'ai fait avec ma dague? On est d'accord, je l'ai planté. Il y a eu un bruit de dague comme quoi je le plantais. Ces guerriers ont beau être forts, mon anneau les domine tous. Mais là c'est-il, hein? Pas question de laisser les gars du roi sorcier s'amuser sans nous. Un petit peu plus. Commandement des partisans. Les orques dominés attendront que vous les activez en appuyant sur bas pour attaquer leurs anciens alliés. Si vous engagez le combat, les orques dominés à proximité s'activeront automatiquement. Ah, faut que j'utilise tout de suite. Bon bah, on dit. Ok. T'es un redégat, bien sûr. Ah, je croyais que ça ferait partir le feu, mais en fait non. Ok, oui, ça commence bien. Ce n'est qu'un début. Il nous faut plus de guerriers, des guerriers plus forts. Bonjour, tu me permets le temps que je finisse mon combat? Il nous faut aussi des commandants, des orques exceptionnels qui seront plus que de la chair à canon. Oui, voilà, meurs. Forêt, elle nous appelle. Nous devons nous concentrer. La création de notre armée passe avant tout. Donc j'imagine qu'on a double quête. Voilà, violente nature et anneau de pouvoir. Hein? Du coup, violente nature, je pense. Dit-il en sélectionnant l'anneau de pouvoir. C'est fait exprès, hein, je rappelle, parce que je suis pas du genre à. Ce sont eux qu'il nous faut dans notre armée. Ok, il y a eu un problème de son. Je suis le seul à entendre ce problème de son. Regorge d'orques, c'est parfait pour notre cause. Ok, toi tu meurs, désolé. N'est pas ma bestiole. La reine Marwen, c'est... Bonjour. Le retour du nouvel anneau vous permet d'exercer votre domination sur vos ennemis. Il est temps d'assembler une armée.
C'est parfait. J'en ai marre de ta grande gueule, Prus. Maintenant, tous les orques vont voir comment je vais te massacrer. Ouais. J'ai toujours trouvé que t'étais optimiste. Tu sais ce que ça veut dire. C'est quand on est dans une situation totalement impossible et qu'on se dit « Pas de problème, j'attends que le coup. » Moi aussi, je suis comme ça. Combat de Pokémon. Hop là. Perds pas la tête, surtout. Il me plaît. Ouais, classique, quoi. Bonjour. Tu penses pouvoir m'embrocher ? J'aimerais que tu rejoignes mon armée, plus précisément. Tu pourrais me chatouiller, mais tu risques pas de me faire la peau avec ça. Tant mieux, c'est pas mon objectif. Hop là, raté. Raté. J'attends qu'il m'attaque pour que je puisse finir mon truc. Hop là. Bon, c'est pas ce qui était prévu, mais pas mal. Désolé, mais toi, tu me saoules. Voilà. Hop là, c'est bon, on l'a obtenu. Raté. Désolé, toi non plus tu n'iras pas plus loin. Et vous non plus d'ailleurs au passage. Hop. Mais laissez-moi la battre. Aïe. Voilà. Bon, vous me saoulez les mecs par contre, là ça commence à être gonflant. Hop, pas très nombreux et pourtant, qu'est-ce que vous me faites chier? C'est passé quoi? Ok. Hop les ratés. Non vraiment ils sont saoulants. Voilà, on est plus que tous les deux. Ça te va? Bonjour. À l'épreuve des flèches, merde. Raté. Je suis là. Dommage, un peu trop tôt. Viens me voir. Ça, ça va te faire assez mal peut-être. Allez, t'es à moi! Ils sont loin. Parfait. Recruté. Tu sers le seigneur de lumière maintenant. Moi, c'est très... Je préfère les phrases de Celebrimbor. Lumière, ténèbres, ça revient au même. Il est dynamique. Dans les deux cas, je démembre des bougres. Et comme j'aime bien faire ça, je gagne à tous les coups. Une recrue de choix pour notre armée. Moi, c'est Bruce. Et désormais, je te suivrai comme ton ombre. Personne ne t'approchera sans mon accord. Bah, j'aime bien le principe. Ne t'en fais pas pour mes ennemis. Ils finiront tous par me suivre, crois-moi. Si bon, tu veux imposer ta marque au Mordor, il faut y aller franchement. Il y a une forteresse pas loin dirigée par un troll à deux têtes, grand comme une montagne. Et drôlement futé, ce qui doit être normal s'il a vraiment deux têtes. Si tu le bats, tu envoies un message à Sauron, et en bonus, tu gagnes une nouvelle baraque au passage. Cool! Pour ça, il nous faudra du monde. Rassemble tes hommes. Tout de suite. Oh, mais tu me laisseras lui faire sauter ses deux têtes, d'accord? J'ai bien envie de le garder pour moi, mais à vrai dire, t'as l'air d'être un mec bien sympathique. Donc je pense qu'il va falloir que j'y réfléchisse. Non? Bon, pourquoi pas.
Ok, un copain en plus. Mission terminée, level up au passage. Plus une pierre. Cool. D'accord. Cette région est contrôlée par la forteresse de Sharkburz, qui est sous le commandement d'un redoutable chef suprême. Pour commencer, votre conquête du Mordor, vous devez attaquer et prendre Sharkburz. Améliorer la force de votre armée en recrutant des capitaines supplémentaires qui serviront de meneurs d'attaque dans votre groupe d'attaque. Appuyez sur RB pour avoir les améliorations de siège de la forteresse. Les chefs de guerre sont les plus puissants soldats du chef suprême. Ils sont responsables des améliorations de siège, les formidables défenses de la forteresse. Vous pouvez attirer un chef de guerre en effectuant une mission de confrontation. Une fois attiré, le chef de guerre peut être tué directement ou dominé pour le recruter dans votre armée. Tuer ou dominer un chef de guerre avant l'assaut permet de désactiver son amélioration de siège, ce qui affaiblit les défenses. Logique. D'accord. Bruise a rejoint votre groupe d'attaque en tant que meneur d'attaque. Recrutez d'autres capitaines pour votre groupe d'attaque et dépensez des myrianes pour leur acheter des améliorations de siège. Appuyez sur A pour continuer. D'accord, ok. Un groupe de chevaucheurs, sapeurs. L'armée en attaque est renforcée par un groupe de sapeurs explosifs qui chargeront les portes de la forteresse. Hologai, les armes en attaque renforcées par un groupe de Hologai capable de détruire. C'est tous le même prix? Je pense qu'il lui faut des hommes à sa taille. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me semble pas mal. Ok, on n'est pas prêt d'avoir fini avec cette région, mais ça me plaît. Et donc, du coup, maintenant, comme on a enfin pu obtenir notre premier homme, j'ai bien envie d'aller ouvrir, voilà, mes coffres. Vous pouvez voir ici vos coffres encore fermés. Les coffres que vous achetez au marché ainsi que ceux que vous obtenez d'autre façon sont tous reposés ici. Ouvrez les coffres pour découvrir leur contenu. Alors tout ça, en fait, ce sont des coffres que j'ai obtenus via l'achat en précommande, le season pass, etc. On y va. Un coffre or. Ouh. Coffre offert. Alors, XP. Bonus d'XP, d'accord. Rune des conquérants. Gruk l'exécuteur. Drainer un capitaine x3. Santé entièrement régénérée après avoir tué un capitaine. Oh la vache. C'est bon ça. Épée des ténèbres absolues. Kugal Froussard. Défi pour passer au niveau 20. Recruter un orque de la tribu des ténèbres de niveau 20 ou supérieur. Bon, d'accord, je crois qu'on l'a déjà celle-là. Et à droite, nous avons la cape gondorienne, dorsal champion. Tuer un ennemi en étant à dos de Karagor 5 fois. Il fait comme ça lancer lorsqu'il hurle. D'accord, ok. Oui, c'est pas complètement épique celui-là pour le premier, si je puis dire. Coffre de butin, deuxième. Allons-y, hein, profitons un peu. Ce sera pas mal non plus. Un boost d'XP toujours. Dague gondorienne, Crimp, le fils de troll. Effectuer une élimination furtive à dos de Karagor sur un ennemi. D'accord, Kourou aux charges de 6 par animation furtive à dos de Karagor, ok. Épée arcanique, Gluck l'archiviste. Recruter un orc de la tribu mystique de niveau 20 ou supérieur, réduit de 21% le coût de concentration des enchaînements d'exécution spectrale. Les coups critiques ont 31% de chance d'enflammer la cible. Wouah, c'est craqué. Autre dague, vous inquiétez d'en ayant moins de 25% de santé. Épée de Rohirrim. Santé et puissance entièrement chargée après une dernière chance réussie. Wouah, ça peut être complètement pété. Ok, donc voilà pour le coffre d'or, voilà un coffre d'argent. Qui va lui m'offrir apparemment deux capitaines, ce qui va être cool. Ouais, c'est pas les plus beaux, hein. What? C'est quoi ça? Donc trois, une bande de guerriers, pardon, autant pour moi. On a quand même un guerrier épique. L'imposant. Dirige un groupe de guerriers particulièrement doué. Classe avancée, berserker, charge furieuse, cri primitif, saccage, ok, il a plein de trucs. Enragé par les blessures mortelles, enragé par la faiblesse, insensible aux exécutions, insensible aux malédictions, ça c'est très très bon. Par contre, il n'aime pas les attaques montées, il a peur d'être immobilisé. Les dégâts par attaque à distance lui font beaucoup de mal, et les explosions aussi, d'accord, ok. Donc lui, ce sera compliqué à envoyer, je pense. Hein. L'insatiable. Instantanément par le feu. Ouf, là. Excusez-moi. Hop, la vache. Allez, épreuve du poison. Et non, heureusement qu'il y a ça. Coffre de guerre maudit. Donc j'imagine que c'est les trois. Les personnages épiques, voilà, c'est ça. C'est toute une bande de.
Noruk le joueur, d'accord. Joli. Il est très joli celui-là. Beau bouclier. Il est chétif, il a la tête fragile, il aime pas l'attaque à distance, d'accord, ok. Donc le problème c'est que l'attaque à distance font extrêmement mal dans ce jeu. Entraînement épique, gardien des malédictions, octroie à un partisan et ses alliés proches une résistance aux dégâts de malédiction. D'accord, pareil. Ur, écu, l'ogre. D'accord, il est stylé, hein, faut dire ce qu'il est. Champion de Gorgon. Ils sont stylés les deux derrière, hein, quand même, hein, je veux pas dire. Coffre de vente état niveau 5. C'est le coffre qu'on a trouvé nous-mêmes. Enfin, qu'on a eu nous-mêmes. Ok, nous tombons donc dedans. Du rare, hein, c'est pas rien. Effectuer un tir à tête sur un ennemi enflammé. Pourquoi pas, ça a 20% sur un tir à tête enflamme les ennemis, d'accord. Enflammer un ennemi, réduit 80% la durée du feu. Ça, c'est excessivement pété. Coffre de guerre champion légendaire. Ok. Je prends, hein. Color player, ok, d'accord, ça va pas. Non, c'est pas ça. Octroie un partisan, un Karagor à chevaucher. Cool. Makou le téméraire, très stylé. Très stylé. Lui aussi. Dougs le seigneur, quand même. Dougs, mais ça me parle, on l'a pas déjà battu. Rash, barbe de métal. Quoi? Ah oui. Stylé. Bon, t'as l'impression qu'il porte des grenades sur lui, c'est cool. Baga, la lame de mort. Stylé aussi. Bon, bah pourquoi pas. Voilà de jolies choses. J'ai pas envie de faire forcément un ordre d'entraînement. Les boosts d'XP, d'accord. Les partisans. D'accord. Ok. Why not? Du coup, inventaire. Épée vengeresse, épée arcanique. Elle est jolie aussi. Hein. Épée des ténèbres absolues. Il me semble que j'ai déjà quelque chose. Qui s'appelle... comme ça. Voilà, je porte déjà quelque chose qui s'appelle ainsi. Dague bestiale. Ah, il a un bonus d'appel de monture, donc je vais le garder. Zéro légendaire, c'est bien dommage. Mon arc actuel est bien pété. Ce que j'ai là aussi a l'air bien pété. Ok. Hop. Ici, ce que nous avons actuellement est bien pété aussi, même si celle-ci l'est plus. Ici... nous allons trouver quelque chose de bien bien mieux. Forcément. Du coup, est-ce que ça change le... Non, bah non, forcément. C'était pour voir, hein, ça se trouve. Qui sait? Who knows? Enfin bon. Voilà, et donc normalement, on a un point à mettre. Bon, voilà, ça fait quand même un peu 10 minutes où je fais pas grand-chose. Je suis désolé, chers amis. Mais bon. Je préfère faire les choses bien. Frappe de l'ombre, c'est pété, ça aussi. C'est parti, je prends. Notre prochain truc à débloquer sera soit ceci... brutalisation, soit ceci, coup critique. Ce qui pourrait être pratique. Ok, bon, on est à 18 minutes. Il est important d'affaiblir les forces de l'ennemi, mais... le truc sympa, ce serait d'aller choper ce truc-là, et voire même d'aller récupérer ce capitaine. C'est ce qu'on va faire dès maintenant. Le plus pour gagner, c'est renforcer notre armée. C'est ce qu'on va faire dès maintenant, on va aller chercher un capitaine. Ce qui est une bonne chose en fait. Il y a un problème de son cette mise à jour. Hein. Et d'accord. Un problème de son. Hop là. On est toujours aussi bon à la grimpette. Par contre, si tu comptes me faire apparaître l'intégralité de mon inventaire en haut à droite de l'écran, ça ne va pas le faire. Guatrada, quel est... j'ai pas entendu. Quel est dire, je dirais. Faut vraiment que je note ce qu'il dit. Ah, j'avais oublié. Ouf, où es-tu? Où es... ouh, je t'ai vu. Ok, en plein milieu de la cascade, why not? En plein dessus.
Je m'en doutais un peu que ce serait par là. Je m'en doutais, pardon, un petit peu que ce serait par là. Rien d'autre, c'est bon, tu t'es calmé ou... Ah. Et ok, on l'a eu, c'est bon. Cool, cool, cool. Ok. Maintenant, ohé, ohé, capitaine abandonné. Parfait. Bonjour. Le déchiqueteur d'os. Mais si ça, c'est pas pété comme nom, je sais pas ce qu'il vous faut. Et boum! Raté! J'ai pas eu le temps. Bonjour, oui, c'est moi. Accueillons-le comme il se doit. Et il s'exprime bien en plus. Et ben voilà, manquait plus que ça. Aïe, il fait mal. Et de 1. Ouh! Bien joué. Non, c'est bon, je l'ai eu. Raté. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Vous allez vous calmer, oui. Oui, un peu, effectivement, je confirme. T'arrêtes. Hop là, excuse-moi, j'avais pas vu que j'avais plus assez de santé. Autant récupérer. Ils font mal, hein. Oh la vache. J'arrive pas à le geler. Comment se fait-ce? Ils sont balèzes, hein. Oh, bien joué. Hashtag frapper ses amis, c'est épique. Ça y est, il s'est ramené. Il a mis le temps. Oh, belle armure. Gâche le fidèle. Toi aussi, tu seras bientôt à moi. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Merci pour ta santé. Ah. Aïe. Ok. Faudrait. Le problème, c'est qu'il appelle beaucoup de monde. Faudrait que j'arrive, voilà, à l'approcher maintenant. Voilà. Ok, Din Vanor. Tu es à moi. Tu es à mon service, pardon. Autant pour moi. Renier, restez se battre. Battre en retraite. Vas-y. Enfuis-toi. Bah alors, ça en fait... Ah. Déjà. Splendide. Tu veux un conseil? Prends ce gars-là comme garde du corps. Quiconque veut parcourir tout le monde aura besoin d'un coup de main. Enfin, pas moi. Évidemment, pas. Si un jour je me retrouve à avoir besoin d'aide sur le champ de bataille, je me tranche la gorge. Mais toi, il te faudra bien quelques gros bras. Pas de quoi avoir honte. Il est génial. Il vient pour me balancer un conseil. What? Sélectionnez votre nouveau partisan. Ok. Pour donner un ordre. Pour nommer ce partisan garde du corps.
Ok. Oui. J'aimerais que tu... Que tu... Que tu restes mon garde du corps, après tout, pourquoi pas. Débrouillez, garde du corps. Vous pouvez à présent appeler des partisans que vous avez nommés garde du corps pour qu'ils se battent à vos côtés. Appuyez sur la droite. Ah oui, d'accord, donc c'est pas obligatoire. Non, t'es pas en repli, crois-moi. Regarde ça. T'es pas en repli. Insensible aux exécutions, rien que ça. Ok. Tu es à moi maintenant. Oh, je suis pas dans la bonne direction. Et cet épisode dure de plus en plus longtemps. Oh, t'as de beaux yeux verts. Tu es à moi. Rejoins mon armée. Oui. Bonjour. On devrait travailler ensemble. Je confirme. Vas-y, rentre à la maison. D'accord, j'ai compris. C'est bien. Bon. Bah, deux pour le prix d'un, finalement. Si ça, c'est pas une bonne chose. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Hop, on va se retrouver sur un point à la Batman. Point, 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 point. Une petite explosion pour finir? Bon, avec des gens dessus quand même. Ah, je peux pas. Puisque je n'ai pas de carreaux. Enfin, de flèches. Hop là. Ou alors un beau headshot. Voilà, on finit là-dessus. Crac. Donc du coup les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vérifier, à la commenter, à la partager, vous abonner. Et n'hésitez pas donc à tout simplement, oula, un instant, me dire si vous voulez que je mette tel ou tel mec en garde du corps dans les coms. Et moi je le ferai pour le prochain épisode. Voilà. Salut les gens.